voici la nouvelle émission de télé-réalité qui débarque sur vos écrans, Soul Calibur Academy. Ils sont jeunes, ils sont beaux, elles ont de grosses poitrines. Ils seront enfermés pendant un mois dans un manoir. Ce sont les meilleurs combattants au monde, mais pourront-ils survivre à la cohabitation? Du sport en groupe. Allez les filles, on continue la séance de gym, on se penche en avant et on remonte doucement la poitrine. Des rixes quotidiennes. Oh, il ne reste plus qu'une seule part de pizza. Yongson vs Kik vs Raphaël. Des confidences de filles. Oh, il est visuellement agréable de la lumière. Si tu veux mon ami, tu as aucune chance. C'est pas une minette en musette qu'il lui faut à ce moment-là. Non mais cherchez pas. Un cul pareil, c'est pas pour les filles comme vous, hein. Je vais lui fouetter le derrière, vous allez voir. Gila, tu t'es vu avec tes flotteurs intégrés, hein? Ouais, même Pamela Anderson, elle en a pas des comme ça. Des séquences romantiques dans la piscine. Sinon, je vous ai déjà montré mon gros bâton. Des blondes qui font la cuisine. Oh là là, je comprends rien du tout, le poisson, il est même pas rectangulaire. Ben, ça veut peut-être dire qu'il est pas encore mûr, on devrait peut-être le remettre un peu dans l'eau de la piscine. Des séquences fortes de la vie de tous les jours. Oh non, vas-y, c'est dégueulasse. C'est qui le porc qui a pissé sur la cuvette? Moi, je remonte toujours la cuvette. Ah, c'est pas moi non plus, hein, je pisse que dans l'évier. Hein? Passons voir, Zangir, Ness, Kyongson, Kulik. Et enfin, la pièce réservée aux confidences, le putisoir. Ils sont tous dégueulasses. Il n'y en a aucun qui respecte l'écologie. Sauf Raphaël, on prend des bains ensemble pour économiser l'eau. Et ils ont tous été très vilains. Je vais devoir les punir. Ce n'est pas de ma faute si je suis beau et modeste. La prochaine fois que Ivy met du miel fermoir à fond, je la transforme en torche humaine. Ivy m'a fait des avances, je suis seule pour elle. Ivy m'a fait des avances, je suis la seule pour elle. Petit poney, petit poney. Petite grite, petit panneau. Yongsook, c'est un con. Il regarde tout le temps téléfoot alors des dessins animés. Et maintenant, à vos SMS. C'est à vous de voter pour désigner les losers que vous voulez garder.